Hey! The Twister Show! Cette semaine, c'est aux instruments de musique que je lève mon verre. Ceci est mon show, et je vais par le nom de Gister. The Twister Show! Quand on écoute de la musique, c'est comme qu'on respire par le nez. On n'imagine pas forcément que c'est grâce à une suite d'événements enchaînés. Eh bien, la musique, pour la créer en premier lieu, il a fallu certes de la créativité, mais aussi des instruments pour la jouer. Laissez-moi donc vous raconter comment ces ustensiles bizarres ont été créés, ou plutôt repérés. Car avant leur existence, la vie était vraiment rez-de-chaussée. Tout a commencé dans la ville qu'on appelle Maison Alfort, là où fut inventé le jus multivitaminé. La famille Muzzy vivait dans un quartier un peu mort où il n'y avait que des F3 meublés. Douglas XIV était le Benjamin de la MIF et son oncle Riff Riff le trouvait très imaginatif. Ça y est, je viens de finir ma citadelle en glaçons. C'est plutôt frais comme passion. Mon neveu, ta créativité est surnaturelle. Par contre, ta chambre, c'est vraiment le bordel. Oncle Riff-Riff, pardon, tu as foncièrement raison. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup trop de meubles dans cette maison. En effet, chaque pièce était remplie de meubles inutiles. Mais c'est ainsi dans presque toute la ville. C'était de beaux meubles de décoration du passé. Douglas et son oncle décidèrent cependant de s'en débarrasser. Oncle Riff-Riff, si on tège les meubles décoratifs, on peut gagner 30 mètres carrés, c'est évident. Aide-moi à sortir celui en bois avec des dents. C'est une super idée. Je vais t'aider, Douglas. Comme ça, ça sera rangé et pour tes inventions, tu auras beaucoup plus de place. Celle-là, c'est la plus grosse espèce de pupitre. Elle est énorme. On va la prendre à deux. Titre. Pour descendre ce meuble inutile et bizarre, Douglas et oncle Riff-Riff prirent l'escalier qui mène au trottoir. Mais ce meuble en bois ne pesait pas moins qu'un ours avachi, soit 350 kilos. Et pour un enfant geek, plus un adulte qui passe ses journées sur les nurseries, c'était beaucoup trop. Oncle Riff-Riff, je sais pas ce que c'est que ce meuble, mais il est vraiment trop lourd. On aurait dû le peser. Je crois que je suis à court. Aïe, j'arrivais à le porter sans penser au poids. Maintenant que tu me l'as dit, ça me chatouille les doigts. Oh non, trop tard. On aurait mieux fait de le peser au lieu de se précipiter. La suite après une page de publicité. Publicité. T'en as marre du bruit? Tu veux passer des nuits calmes? Découvre notre tisane, détente et nuit calme. Nuit calme, nuit calme. Moi et mon ami Franck Reich, on vous a concocté une sélection de murs variés, vous apportant calme et sérénité. Avec des morceaux d'écorce et de baies de sirop, cette tisane est le mariage parfait pour un instant de détente et de repos. Nuit calme, nuit calme. Die Tisanen, das ist Kontrakten. Publicité. Donc, en voulant faire du rangement dans sa maison, la famille Muzzy décida de se débarrasser d'un meuble alors inconnu au bataillon. Mais Douglas et oncle Riff-Riff regrettèrent cette décision délibérée lorsqu'ils le firent malencontreusement tomber dans l'escalier. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit, oncle Riff-Riff? Je ne sais pas, Douglas. Je crois que c'est le bruit des dents de cette armoire. Mais on dirait des oiseaux, on dirait un arbre, des hiéroglyphes. Cette chute de meuble au ralenti est la plus poétique que j'ai pu entendre et voir. Si je dépose une maîtrise sur ces sonorités d'escalier en colimaçon, on créera quelque chose de plus official que mes châteaux en glaçons. C'est ainsi qu'en voulant se débarrasser de mobilier fort antipathique, la famille Muzzy inventa les instruments de musique, dont fleurirent de magnifiques et oniriques airs allant des larmes à la joie, des cantiques, des musiques ternaires, du Jérouse d'Amadja. C'est pourquoi c'est à peine la peine qu'on argumente pour décrire ô combien une salle de concert nous rendrait vivante. En attendant, grâce à Douglas et oncle Riff-Riff, on peut répéter ses vers. Et si je puis me faire mettre, utiliser notre talent pour faire prendre l'air à l'air du temps, voici pourquoi en attendant qu'on nous permette de le faire, je lève mon verre aux instruments. 17h-19h, Supernova. Avec Marie Bonisso et des gens bien.